C'est toujours un jeu entre l'homme et la technique. La technique n'étant qu'un adjuvant que l'homme doit utiliser. On cherche toujours à faire mieux. La technique est le moyen d'atteindre ce but. Donc sans technique, on n'arrive à rien du tout. Pour le professeur Gerhard Buess, la journée à Tübingen commence généralement par une opération chirurgicale. On a eu aujourd'hui un cours pour chirurgiens, ce qui signifie que cette formation attire surtout des chirurgiens qui ont déjà pratiqué des opérations dans différents domaines. Ce qui se passe, c'est que ces chirurgiens viennent nous voir pour suivre le cours avant de commencer à pratiquer des opérations sous endoscopie dans leur clinique. On peut dire qu'aujourd'hui, toutes les opérations sont aussi peu invasives que possible quand la technique est bien maîtrisée. L'opération de la vésicule biliaire, par exemple, se pratique maintenant partout dans le monde de façon quasiment non-invasive. Une chirurgie peu invasive réduit les inconvénients pour le patient. Les inconvénients d'une grosse incision sont nombreux. Le patient souffre, il peut faire des complications du fait de cette grosse incision, il reste alité plus longtemps et sort donc moins vite de l'hôpital. À ce niveau-là, une petite incision présente évidemment l'avantage d'éviter tous ces problèmes. Le patient souffre moins, il peut bouger plus vite et rentre rapidement chez lui. Gerhard Buess est un expert de ce type de chirurgie reconnu dans le monde entier. Cette spécialité requiert un savoir-faire très pointu et une approche différente de la chirurgie traditionnelle. Je crois que l'époque des grosses opérations, cette grande époque, est révolue. Grâce à la tendance actuelle qui est d'évaluer de façon critique ce qui est bénéfique pour le patient, on a aussi appris que beaucoup d'opérations importantes, des opérations très lourdes, ont souvent une influence négative sur la qualité de vie du patient. Et de ce point de vue-là, je pense qu'actuellement, la tendance générale est plutôt d'étudier si une chirurgie très invasive se justifie ou non. Et dans les cas où elle ne s'avère pas d'une grande utilité, on essaie d'avoir recours à d'autres procédés. Il existe aujourd'hui beaucoup de méthodes qu'on n'avait pas auparavant. Par exemple, face à une constriction de l'œsophage, on était obligé d'opérer alors qu'on dispose maintenant de nombreux moyens pour traiter cela de l'intérieur. C'est pour cela que pour les très grosses interventions, les opérations vraiment lourdes, on peut souvent trouver des solutions alternatives qui tiennent plus compte de la qualité de vie du patient. Les chirurgiens de toute l'Allemagne et du reste du monde viennent à Tübingen pour se familiariser avec ces nouvelles techniques chirurgicales. Avant de pouvoir opérer des patients humains, il leur faut s'exercer intensivement à opérer des organes fragiles, sans aucune sensation tactile et avec une vision du champ opératoire par caméra interposée. Ils s'exercent ici sur des organes d'animaux. Les chirurgiens acquièrent ici une assurance dans l'emploi de cette technique qu'ils mettraient plus longtemps à acquérir en clinique et qu'ils n'obtiendraient qu'après avoir opéré beaucoup de patients. Mais en même temps, nous travaillons à la simulation de l'avenir en utilisant l'ordinateur et l'image en trois dimensions. On effectue l'opération sur l'image en trois dimensions. On peut un peu comparer cela à l'aviation. Les jeunes pilotes ne peuvent monter dans de nouveaux avions qu'après avoir appris à les piloter. C'est-à-dire qu'on peut tout simuler et que grâce à cette simulation, on apprend à faire face aux problèmes. Le centre de recherche de Karlsruhe a été construit à une époque où l'Allemagne voulait atteindre une position dominante dans le secteur de la technologie nucléaire. Dans les années qui ont suivi, cette technique a eu certaines difficultés politiques et disons qu'aujourd'hui, elle n'a plus très bonne presse.
Depuis environ 5 ans, on essaie de tirer profit de ce savoir-faire qui a été développé et qui existe en le réaffectant à d'autres domaines d'application, par exemple la technique médicale. Il s'agit ici de construire un robot chirurgical, ou plus exactement, un robot manipulateur. Le chirurgien ne commande plus directement les instruments, mais il commande, pour ainsi dire, la façon dont un instrument commandé électroniquement doit se mouvoir. L'avantage de ce système futur, ce sera de nous donner plus de liberté de mouvement et plus d'informations en provenance du corps, comme par exemple la sensation tactile qu'on retire du corps ou la sensation de la puissance dégagée par un instrument en mouvement. Ce que vous voyez ici, c'est ce que nous appelons une solution spin-off. En clair, on développe à Karlsruhe un projet d'avenir sur de nombreuses années, puis on trouve des solutions dont on s'aperçoit soudain qu'elles pourraient déjà être applicables, qu'elles pourraient dès maintenant fonctionner en salle d'opération. Une nouvelle technique a ainsi permis d'automatiser deux fonctions qui sont normalement assurées par des assistants, la tenue de la caméra et l'instrument chirurgical. Le but premier n'est pas de se passer d'une personne ou même de deux. Le but est de pouvoir modifier le champ de vision plus intuitivement et plus rapidement, car dans les conditions actuelles, il faut toujours dire à un tiers ce qu'on a besoin d'avoir dans son champ. C'est une chose complexe, et c'est bien plus simple de pouvoir modifier soi-même l'angle visuel de l'instrument. Le robot ne pourra jamais pratiquer seul l'opération. C'est comme ça. Un robot est une machine qu'on programme, à laquelle on commande de bouger le scalpel dans telle ou telle direction, de faire telle ou telle incision, telle ou telle suture. Mais l'anatomie humaine varie tellement d'un sujet à l'autre, ne serait-ce que quand le patient respire et que ses organes se déplacent, qu'il serait impossible de programmer une opération de A à Z. Ce qui veut dire que la solution à laquelle nous avons travaillé et travaillons encore avec le centre de recherche n'est pas une automatisation complète, mais juste une amélioration de la commandabilité. Le chirurgien reste l'acteur principal, celui qui commande l'opération, et ce n'est pas prêt de changer. Cette maison est la maison de nos rêves. Elle a été construite il y a des siècles, dans les années 1300, 1400. C'était le moulin d'un couvent. Les cisterciens qui y vivaient n'avaient pas le droit de manger de viande. Ils ne pouvaient manger que du poisson et des animaux bipèdes. Mais ils mangeaient du lapin parce qu'ils disaient que les lapins sont le plus souvent sur deux pattes quand ils font le beau. Ils pouvaient donc manger du lapin. Ils élevaient aussi des poissons, comme on peut encore le voir. La maison a été rénovée il y a 25 ans par un architecte italien qui a fait du très beau travail, et je dois dire qu'on est très heureux ici. J'ai passé une partie de mon enfance chez mes grands-parents parce que ma mère était professeure. J'ai encore connu cette agriculture très 19e siècle. On allait labourer avec les bêtes, on récoltait les pommes, on travaillait au champ. Puis ils ont peu à peu arrêté l'agriculture et j'ai été bien obligé de m'occuper un peu plus de mes devoirs de classe à cette époque-là. Je ne me suis jamais dit que j'allais faire carrière, au contraire.
J'ai fait mes études à l'époque où on contestait plutôt le carriérisme et l'exercice d'un pouvoir professionnel dans les années 68-69. Ce n'était pas du tout mon but dans la vie. Mais il s'est trouvé que j'ai commencé très tôt à concevoir des projets et à vouloir les réaliser. Alors, à un moment donné, j'en suis évidemment arrivé à me dire que j'en faisais plus que beaucoup d'autres et qu'il n'y avait donc pas de raison pour que je réussisse moins bien que les autres dans le métier. Ce qui veut dire que le niveau que j'ai pu atteindre dans la profession, le titre de professeur que j'ai obtenu, tout cela a été la conséquence de mon travail. Mais ça n'a jamais été mon but. Mon but était purement professionnel. Je ne cherchais pas un titre, mais une progression sensible et constante dans mon métier. Eh bien, voilà nos pommiers. C'est la fierté d'un Souabe de posséder des pommiers. Il faut les tailler au début de l'année et récolter les pommes à l'automne. J'ai passé tous ces derniers dimanches juchés sur une échelle. On voit bien qu'ils ont été magnifiquement taillés, du moins c'est mon point de vue, mais tout le monde ne le partage pas. Disons que c'est ma façon à moi de tailler les pommiers. La génération d'étudiants à laquelle j'appartiens était extrêmement critique. Elle s'est engagée contre le nucléaire, contre le militarisme et contre une industrialisation trop poussée. Et je pense que même si ce n'est pas conscient, si c'est de l'ordre de l'inconscient, on peut vraiment dire que cet état d'esprit critique face à l'environnement et aux événements du moment a conduit cette génération-là à regarder son environnement professionnel avec un œil critique pour toujours tenter d'améliorer les choses. On en revient encore à l'écologie. On peut dire qu'aujourd'hui, on construit les autoroutes avec un souci écologique, en n'approchant pas trop des villes, en préservant la nature. C'est pareil en médecine. Avant de faire une opération, on réfléchit maintenant aux effets néfastes qu'elle pourrait avoir sur le patient, ce qui n'était pas le cas avant. Je vous souhaite le bonjour, Madame Lechte. Vous venez me donner du courage? Asseyez-vous une minute. Alors, c'est le grand jour? Eh oui. Le jour de l'opération. Ce qu'on va faire, c'est vous faire dormir. On va vous faire une anesthésie. Mais pour ce qui est de l'opération elle-même, c'est relativement peu de choses. Ce qui veut dire aussi que vous ne souffrirez pas beaucoup au réveil. Vous vous réveillerez d'ailleurs assez vite et vous vous rendrez à peine compte de ce qu'on vous aura fait. Sachez que c'est une opération tout à fait sûre. Il n'y en a pas de plus sûre. Ça ne prendra pas plus d'une heure et vous ne souffrirez pas ensuite. C'est bien ce qui m'a décidé. Oui, il n'y a aucun souci à se faire. Cette opération consiste en l'ablation d'une petite tumeur dans l'intestin de la patiente. Pour accéder à cet endroit difficile, le professeur Buess a inventé un rectoscope spécial qui combine un appareil de vision stéréoscopique et plusieurs instruments chirurgicaux. J'introduis le rectoscope dans le rectum de la patiente. Cette tumeur est localisée si haut qu'aucune autre technique ne permet de l'atteindre par les voies naturelles.
Si on avait procédé normalement, la patiente aurait dû subir une opération lourde avec une grosse incision dans l'abdomen. Nous avons donc ici le meilleur accès possible à la zone malade. Buess a inventé ce rectoscope révolutionnaire il y a 15 ans. Et depuis lors, cette technique a fait des émules chez les chirurgiens du monde entier. Auparavant, les appareils dont on disposait permettaient d'examiner les cavités du corps humain, mais pas de pratiquer des interventions. Cette nouvelle technique a fait de Buess une star du monde médical, même si la plupart de ses confrères l'ont d'abord accueilli avec scepticisme. Le monde de la chirurgie est traditionnellement un milieu très conservateur. Au cours de ces 10 dernières années, il a dû se faire à l'idée qu'il y avait de plus en plus d'innovations, de nouveautés, de nouvelles techniques dans la chirurgie. Il y a encore 10-15 ans, tout cela se heurtait au scepticisme, voire à une certaine hostilité. On n'avait pas encore opéré de patients à cette époque-là, mais la technique était déjà au point. On avait obtenu des résultats sur des animaux. J'ai présenté ces résultats et à la fin de mon exposé, j'ai eu l'impression que tout le monde trouvait ça très drôle. Il n'y voyait aucune possibilité réaliste, juste une idée un peu loufoque. Les chirurgiens savent maintenant que l'avenir passe par l'adaptation de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes. Le monde de la chirurgie est beaucoup plus ouvert à tout ça aujourd'hui. Notre nouvelle tâche consiste à élargir les possibilités de cette technique pour qu'on puisse se faufiler par ici ou encore un peu plus haut et par là, bref, arriver à l'utiliser dans toutes les zones. C'est évidemment une tâche beaucoup plus complexe, mais cela offre l'énorme avantage de supprimer chez le patient toute douleur post-opératoire, inévitable après une incision dans l'abdomen ou ailleurs. C'est la prochaine étape vers une chirurgie sans effet secondaire. Bonjour. Madame Lechte, comment allez-vous? C'est gentil de passer me voir. Tout s'est bien passé? Oui. Bon, vous vous êtes déjà mise debout ou vous êtes sortie du lit? Non, non, je n'ai pas encore essayé de me lever. Voyons ce que ça donne. J'y arrive, regardez. Mais oui, il n'y a aucun problème. Je me sens un peu bizarre, mais ça va. Vous arrivez à plier les genoux? Faites-moi voir. J'y arrive aussi. Bon. Un petit poirier, peut-être? Ah, ça non. Impossible. D'ailleurs, ça m'a toujours fait peur. Je crois que c'est quand je skie que je sécrète le plus d'endorphines. Quand j'étais plus jeune et que je bougeais beaucoup, j'écoutais souvent de la musique en skiant. Le problème à cette époque, c'est qu'il n'y avait pas encore de baladeur. Alors j'ai inventé le premier baladeur en 1972. Je me suis acheté un casque tout bête et j'y ai intégré 2 haut-parleurs. On ne trouvait pas non plus de petits magnétophones en ce temps-là. J'ai pris ce qui se faisait de meilleur et de plus compact, qui tenait dans un sac à dos. Je me souviens que je suis allé au col de l'Arlberg à cette époque, et il y avait beaucoup de touristes américains et canadiens, et ils voulaient tous m'acheter mon appareil. Le professeur Buess a beaucoup publié, et nous l'avons d'abord découvert par sa littérature. C'est d'ailleurs ce qui nous a amené à Tübingen. Sa réputation, la qualité de son travail dans les domaines sur lesquels nous travaillons, voilà ce qui nous a amenés en Allemagne.
Ces visiteurs sont les responsables de la Boston Scientific Corporation, un important fabricant de matériel chirurgical endoscopique. J'ai vraiment été, excusez-moi de fouiner, mais je suis fasciné par vos travaux. L'implantation à laquelle vous travaillez, tout ce qui relève de la spectroscopie optique et ces micro-manipulateurs, ce sont des choses qu'on peut trouver séparément dans tel ou tel centre de recherche. Mais ces centres sont spécialisés soit en robotique, soit en matériel optique, mais aucun n'essaie de combiner les deux dans un appareil unique. Alors, c'est très excitant pour nous. C'est difficile de comprendre. Nous recevons aujourd'hui un partenaire américain très important pour notre développement. C'est le leader mondial dans le secteur de l'endoscopie et des techniques chirurgicales non invasives. Nous nous sommes lancés ensemble dans un projet de développement extrêmement ambitieux qui va satisfaire nos intérêts respectifs. Notre intérêt ici, c'est de poursuivre ce qu'on a commencé. Arriver à remonter dans le rectum, plus haut dans l'intestin et jusque dans l'estomac, afin de pouvoir traiter aussi d'autres petites lésions. L'intérêt, c'est d'apporter des traitements efficaces, aussi peu invasifs que possible, pour le patient. Prenons une procédure chirurgicale plutôt lourde, qui nécessite un long séjour à l'hôpital et entraîne une douleur importante. Notre objectif est de la remplacer par une procédure d'intervention plus légère. Le patient viendrait par exemple le matin à l'hôpital ou à la clinique. L'intervention se passerait en début d'après-midi et le patient rentrerait chez lui le soir même et pourrait se reposer tranquillement. Or, actuellement, la personne qui vient se faire opérer reste 2 ou 3 jours à l'hôpital et doit parfois garder le lit pendant 1 mois. Nous pensons que ce projet est très important pour des raisons bien évidentes. Mais ce n'est que le début d'une longue série de projets qui vont, nous l'espérons, permettre de remplacer les procédures chirurgicales lourdes par des techniques beaucoup moins invasives. Je dirais qu'il se passionne visiblement pour ses patients et qu'il a un très grand désir de faire avancer les choses, de développer de nouvelles techniques pour le bien de ses patients. Mais il a aussi en lui la fibre de l'inventeur, qui se manifeste dans nos réunions quand il veut créer de nouveaux modèles et prendre part au processus d'invention. Il sait exactement ce qu'il veut, mais derrière cette façade, il y a un individu très créatif qui adore inventer et faire beaucoup de choses différentes. Je pense que les inventeurs doivent toujours considérer qu'ils n'en sont qu'au début. Quand on commence à se dire qu'on a fait le plus gros dans sa vie, c'est qu'on a fini d'innover et que la vie, dans son aspect le plus excitant, est finie aussi. Moi, j'ai vraiment l'impression de n'en être qu'au commencement.